Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'un petit carnet de fleurs, éventuellement pour la fête des mères, qui est très facile à réaliser. Donc, à partir de papier aquarelle, de tampons donc très fleuris de Simply Graphic, l'idée, voilà, c'est de faire ce petit carnet. Donc, ce petit carnet pourrait s'insérer dans une petite pochette qu'on pourrait décorer pareil avec par exemple avec des fleurs de ce type. Voilà, j'ai commencé à réfléchir à une petite mise en page. Alors ensuite pour la déco, là j'avais pensé donc sur une page d'un côté, sur une face on pourrait par exemple mettre une petite fleur avec un petit peu d'aquarelle, un petit texte. Et sur l'intérieur, pour cacher un petit peu, soit le fait que parfois l'aquarelle déborde, on pourrait faire des petits fonds de page tout simples, avec de l'aquarelle et des tampons en ton sur ton. Voilà. Alors, on va commencer par prendre du papier aquarelle. Je suis partie sur un papier donc Canson, du 200. Donc vous prenez des feuilles de papier aquarelle que vous allez découper hein, en morceaux comme ceci. Donc, tout simplement, donc ce sont des morceaux carrés de 7 par 7 cm. Vous allez effectuer une pliure à 1,5. Donc vous voyez comme là. Donc tous vos petits papiers comme ceci seront donc 7 par 7 avec une pliure à 1,5. Ensuite vous allez arrondir les angles. Tout simplement, donc avec votre petite, soit vous avez une perfo pour arrondir, soit avec votre petite pince, et vous allez obtenir donc, vous en faites, je sais pas, j'en ai 5, 5, 6, comme vous voulez, la taille que vous le souhaitez. Vous allez obtenir donc ce petit carnet. Ça peut être sympa effectivement de faire bouger les petites pages et de faire défiler les fleurs, donc comme ceci plutôt. Voilà. Donc là, j'en avais fait 3, c'était juste une idée. On va commencer donc par la déco toute simple des petites fleurs. Et ensuite, on réalisera donc les fonds de page. Pour réaliser ces petites pages, on va commencer par prendre une planche de fleurs. Donc là, c'est la planche Simply Graphic qui s'appelle Assortiment de fleurs et qui vous permet d'avoir plein de fleurs différentes. Donc simplement, vous allez les tamponner. Sur chaque page, tout simplement. J'ai fait mes petits tamponnages, tout simplement. Donc, soit une seule fleur, donc j'ai pris cette planche de tampon, elle vous permet de faire plein de choses. Hein. Soit j'ai pris une seule fleur, soit effectivement, quand la fleur était un petit peu petite, j'en ai pris deux. J'ai tamponné deux fois, je me suis permise d'allonger les tiges avec un feutre permanent. De même pour ici, avec le système de cache, on peut même les superposer légèrement. Vous voyez, donc vous mettez votre cache et vous tamponnez votre deuxième fleur. Soit également avec le même système de cache, on peut mettre la rose et rajouter éventuellement une petite feuille. Donc sur cette planche, vous avez aussi des petites feuilles si vous avez envie. L'idée étant vraiment de partir sur quelque chose de très très simple. Pour voilà, le format étant tout petit, on va juste mettre nos petites fleurs et maintenant les coloriser. Alors pour la colorisation, on prépare sa couleur. On va commencer par le fond. Donc là, je vais partir sur un turquoise de cobalt, vert de cobalt, un peu turquoise. Et puis je vais rajouter un peu de vert d'eau. Donc je dilue pas mal, je mets beaucoup d'eau. Voilà, donc en assez mouillé, rapidement je fais le tour de la fleur. J'essaye de ne pas déborder sur la fleur. J'incline le pinceau, donc la pointe du pinceau vers le motif, de façon à vraiment faire le tour de la fleur. Tant que c'est encore un petit peu mouillé, je vais profiter pour ajouter une autre couleur, par exemple un peu de bleu.
prends ma deuxième fleur. Je vais partir plutôt sur un vert, un mélange de vert de vessie. Chaque fois, je pars sur des ambiances différentes. Donc, je vais choisir deux couleurs principales, une pour le fond, une pour l'intérieur de la fleur. Peut-être rajouter un peu de terre verte. On n'oublie pas qu'en séchant, on perd en intensité. Donc on peut, plus c'est dilué, plus on perd en intensité. Là, comme on travaille pas mal dilué, on peut rajouter un petit peu des pigments et les laisser se diffuser pour apporter des ombres à certains endroits. Pour celui-là, on va partir sur des tons plutôt rose. On va partir sur un bleu de Prusse. Alors on fait vraiment assez simple. On prend une couleur, on dilue. On ne cherche pas à faire quelque chose de compliqué. Un petit fond coloré tout autour de la fleur. Voilà donc les petits fonds qui sont réalisés. Une fois bien sec, on va travailler les fleurs. Alors, pour travailler les fleurs, moi je vais faire très simple. Je vais travailler les complémentaires. Donc, on est sur du bleu vert. Je vais partir sur des tons orangés. Orangé, rouge orangé. Donc, des tons rouge orangé. Je prépare ma couleur. On essaie de faire assez simple. On fonce un peu au pied. Là, on est sur des rouges violets, enfin un violet qui tend vers le rouge. On va partir sur du vert pomme, un vert, vert anglais, un petit mélange de vert anglais et de vert de vessie. Peu importe si c'est des fleurs qui n'existent pas en réalité. Hein. Ici, pareil, on est sur du violet. Qui tend plutôt vers le bleu. Donc on va partir sur des jaunes. On aurait pu partir sur des verts, hein, ça ressemble un peu à un artichaut. Là je fais simple, je m'amuse avec un peu les formes, des formes assez simples. Et du coup je fais des couleurs assez simples. J'aime vraiment beaucoup le mélange de jaune et de rose. Voilà.
Alors, notre petite rose, on va partir sur du rose aussi. Cette rose, elle est super belle à faire. On met uniquement de la couleur au niveau des pétales et on laisse blanc les interpétales, les petites qu'on voit, petites interpétales qu'on voit. Pour les feuilles, un verre de périlène. Les feuilles des roses, c'est très joli de mettre une pointe de rouge dans le verre. Ensuite, là, on est sur du jaune, un fond jaune. Ouais, on peut partir sur des violets, des bleutés. Alors là, on est sur des tons bleus. Bleu, on va partir ouais, sur orangé également. Et là, on est sur du vert. Alors, c'est un vert un peu vert de périlène. On est plutôt là. Donc sur des violets, violets bleutés. On essaie toujours d'enrichir un peu les couleurs en les mélangeant. Donc là, je rajoute une pointe de rouge. Alors, on regarde le résultat. On ne va pas passer plus de temps là-dessus. Peut-être, si vous trouvez que ça fait trop pauvre et trop contrasté, enrichir un peu les couleurs. En passant par-dessus une fois sec, un jus assez dilué, ça fait un glacis en fait. Au lieu de diluer dans la palette, au lieu de mélanger dans la palette, on a passé une première couche, on laisse bien sécher, on passe une deuxième couche très diluée et ça donne une impression de transparence qui est très sympa. Donc on peut le faire aussi sur les roses avec un jaune très clair. Il faut vraiment que quand vous faites ça, que vous preniez une couleur qui soit très transparente. Vous voyez, comme ça apporte de la lumière tout de suite. Même sur les feuilles, ça donne une unité. Ici, j'ai envie de faire la même chose avec un turquoise très très léger. Alors, mon turquoise cobalt clair. Il est semi-opaque, alors il faut faire attention. Du coup, je le mets très très dilué. Parce que l'idée, c'est de faire de la transparence, mais s'il est trop opaque, ça fera pas très joli. Il est un peu couvrant, vous le voyez d'ailleurs. On va laisser sécher. Et puis, on va rajouter du texte. Un petit mot chaque fois sur chaque page. Alors voilà, j'ai terminé les petites cartes. J'ai noté donc, j'ai tamponné des petits mots à peu près sur toutes.
Les petits mots, je les ai trouvés. Donc, Simply Graphic a déjà deux planches de mots, donc qui s'appellent Hello et Un air de printemps. Et sur ces planches, alors il y a plein de petites phrases sympas, comme donc vous voyez là, par exemple. Chaque fois, soit j'ai mis un seul mot, enfin j'ai essayé de faire une petite mise en page toute simple pour que ce soit assez équilibré entre les fleurs et le texte. Voilà. J'ai rajouté du blanc aussi, vous voyez, donc du Posca blanc, toujours mes Posca blancs que je mets un petit peu partout, au niveau des fleurs pour mettre un peu de lumière. Pareil ici. Voilà. Donc, il ne manquera plus qu'à faire des trous sur les côtés, deux trous pour assembler ensemble nos petites cartes. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. Alors, on va préparer des fonds de page. Pour ça, alors, on va prendre un pinceau, un petit gris pur. Moi, j'ai pris un DaVinci 2. Pour faire un lavis d'abord. Donc un lavis, c'est simplement une couche colorée de peinture, très claire, assez uniforme. On peut aussi mélanger des couleurs. Donc je prépare mon jus un peu clair, très dilué. Donc je mets beaucoup d'eau parce que je vais devoir appliquer donc ce jus sur toute la feuille. En couche assez régulière. Alors, je commence de gauche à droite avec mon pinceau. Quand j'arrive au bout, je prends la goutte d'eau et je reviens dans l'autre sens. Et je continue pour pas qu'il reste de gouttes. Je vais jusqu'au bout et je reviens. Je reprends. J'accompagne la goutte. Le trop-plein d'eau, je l'accompagne pour continuer à l'étaler. Il ne doit pas rester de surplus. Vous voyez, ça fait une surface très brillante. Parce qu'il y a pas mal d'eau. Je vais changer légèrement de couleur. J'utilise donc du rouge, du pourpre brillant. Et je vais continuer et reprendre. Vous prenez au moins un papier en 200. J'ai pas scotché le papier tout autour volontairement parce que je voulais pas faire de bordure. Mais on peut le faire si on le souhaite. Voilà, un premier fond de fait. On va laisser sécher. Alors, le super avantage de cette planche à découper en verre que je viens d'acheter, c'est qu'elle se nettoie très facilement. Donc, un petit coup, on peut même s'en servir de palette. Alors, je vais faire un deuxième lavis, tout simplement dans des tons bleutés. Je vais préparer ça avec du vert d'eau. Vraiment, c'est une couleur que j'adore. Voilà. Donc, pareil, je prépare dans ma petite fleur une quantité suffisante d'eau colorée. Et je commence de gauche, j'accompagne l'eau. Je la ramène et chaque fois je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de surplus, de flaque. C'est un pinceau qui prend beaucoup d'eau.
volontairement. Donc il faut préparer pas mal de liquide en avance. Je vais faire légèrement plus foncé, comme ça donnera l'air. Je pourrais choisir après les parties qui me plaisent le plus. Voilà, j'intensifie un peu pour voir ce que ça peut donner. Sachant que comme c'est très dilué, toujours on va perdre beaucoup en intensité de couleur. Voilà, une fois bien sec, vous allez prendre votre feuille. Normalement, vous avez pas d'auréole et un fond plutôt uni. Vous allez prendre un tampon qui vous plaît beaucoup et qui va vous permettre de faire voilà, quelque chose de ce type. C'est-à-dire des motifs en ton sur ton avec voilà, des motifs pas forcément trop compliqués. Et vous, j'allais choisir donc une couleur de distress qui se rapproche particulièrement de votre couleur. On va plutôt partir sur ce rose très très clair que je connais bien. Et même si ça ne sera pas le même ton, je voulais quelque chose de très clair. On va l'appliquer donc plusieurs fois en répétant l'opération. Alors c'est vraiment, vous voyez, très très léger. Je vais mélanger avec l'autre pour voir ce que ça peut donner. Si ça se trouve, ça ira mieux en fait. Oui, c'est plus joli. Ça ressort mieux. On va appliquer celui-ci. Donc là, c'est le Dry Marigold que j'ai utilisé, la couleur Dry Marigold. Voyez le rendu? Donc on est vraiment sur du ton sur ton, un petit peu plus foncé, mais c'est très joli. Je vais faire l'autre partie du coup avec une autre couleur de Distress, en restant sur le même motif. Alors voilà ce qu'on peut faire avec deux couleurs donc de Distress et un tampon. Donc voilà, un joli fond de page qu'on va utiliser en le découpant pour habiller l'autre côté ici, notre petit livret. Je vous propose maintenant de réaliser l'autre. Donc plutôt avec des couleurs dans des tons de bleu. Avec un autre motif cette fois, donc un tampon clear, fleur éthérée, toujours de Simply Graphic. Les tampons clear, du coup, c'est plus facile à utiliser, on voit mieux où on les positionne. Voilà, j'ai donc fait mes deux fonds de page. Donc celui-ci, vraiment en faisant une partie beaucoup plus foncée, j'ai terminé finalement à la VersaFine Clair. Et le début, j'ai fait à la Distress, donc vraiment ton sur ton. Et celui-ci, donc avec ces deux couleurs. Voilà. Donc je vais les découper pour pouvoir les mettre derrière mes petits feuillets. Et je vais conserver une partie pour faire la pochette. Alors là, on va préparer une petite pochette pour glisser à l'intérieur le petit livret qu'on va relier grâce à deux attaches parisiennes de Brad's. Alors la petite pochette se présente sous cette forme. Elle est toute simple, hein. Donc je vous montre les dimensions. Vous coupez un rectangle dans du papier aquarelle, donc un rectangle de 16,5 par 9,5.
Et ensuite, vous pliez 1 cm ici, 1 cm en bas, vous découpez comme vous voyez ici. Vous pliez donc 1 cm ici, 8 cm, et là vous avez 7,5. Voilà. Vous voyez à peu près le système qui est assez simple. Avec une perforatrice, vous réalisez ce demi-cercle ici qui vous permettra normalement d'insérer votre petit album comme ceci. Alors, j'ai utilisé le papier que nous avons réalisé tout à l'heure. J'ai découpé un morceau, donc le rectangle en question. J'ai reporté mes mesures et ma petite pochette est toute prête. Vous voyez comme ça. Alors, sur cette pochette, j'aimerais faire une déco par-dessus. Derrière, je vais laisser comme ça, je trouve ça joli. Par-dessus, je voudrais rajouter des fleurs. Donc, j'ai découpé, tamponné et découpé cette fleur ici. Donc, j'ai pris cette planche de tampon, toujours Simpligraphique, fleur des champs. Cette fleur, je l'aime beaucoup. J'ai tamponné, découpé. Et là, on va mettre de la couleur. Donc, je voulais une couleur un peu abricot, comme un petit peu cette couleur-là. Donc j'ai mélangé du rouge et du jaune. Et donc on va coloriser tout simplement ces fleurs. On commence toujours en mettant une première couche assez diluée. Voilà, on va. Alors ce pinceau, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un nouveau pinceau que j'ai acheté chez Corel et Pinceaux. Escoda, Perlas synthétique. C'est vraiment une merveille. C'est vraiment un pinceau synthétique qui a, je trouve vraiment, il est très agréable. Là, celui-ci, c'est un 4. Et j'ai aussi acheté le 8. Sachant qu'au départ, ils sont blancs. Hein. Ils sont blancs. Ils sont synthétiques et ils sont blancs. Et ils sont vraiment super agréables. Alors, c'est en aparté. On continue nos petites fleurs. Comme j'en ai beaucoup, je vais assez vite. Je vais les faire toutes à peu près pareil. Voilà, toutes mes petites fleurs donc sont prêtes. Maintenant, je vais les agencer les unes sur les autres pour créer un bouquet au niveau de la pochette. Donc, je vais d'abord coller tout ça et je reviens vers vous. Alors, voilà, j'ai derrière chaque petite page, j'ai collé un morceau du fond de page qu'on avait réalisé tout à l'heure. Donc vous voyez, je préférais le jaune, donc j'ai beaucoup plus utilisé le jaune que l'autre. Donc chaque fois, vous venez coller un petit morceau, uniquement donc sur la partie mobile et pas sur la partie qui est ensuite attachée par l'intermédiaire de deux brads que vous allez mettre. Donc voilà, votre petit album est terminé, je vous le montre, avec chaque fois donc une petite fleur. Et un petit mot. Voilà. Alors, par rapport à la pochette, vous avez donc collé votre pochette, colorisé vos fleurs à l'aquarelle après les avoir découpées et vous les collez donc les unes sur les autres. Vous voyez, j'ai mis du scotch 3D pour les trois qui sont sur le dessus. Et les autres, je les ai collés tout simplement sur la petite pochette. J'ai également rajouté donc un petit tampon My Garden, un petit titre. Ensuite, vous n'avez plus qu'à glisser le petit mini-album dans la pochette. Et c'est terminé. Il est prêt à être offert. Voilà, merci, à très bientôt. Au revoir.